Leicester reprit la main dans son match face aux Wasps. Leicester mène 10 à 3. 7 ouais, ça reste serré. On va suivre ça de près. Oui, d'ailleurs, on reviendra sur tous les matchs de cette 6ème dernière journée. Oh, attention, il s'en fait piquer le ballon. Oula. Ouais, bel effort. Bel effort des joueurs des Queens qui vont récupérer cette balle. Aïe. Vallier, ça fait un petit moment qu'il talonne pas le ballon aussi. Et là, ils sont sous pression, les castrés. Ouais. C'est des mêlées importantes à 5 mètres de la ligne. Il faut assurer la conservation du ballon surtout. Oui, parce que là ça chauffe de nouveau avec Easter qui a libéré son ballon. On est à moins de 5 mètres de la ligne du Castres Olympique avec Kerr. Il faut vite les faire retomber, puis monter aïe, surtout. Aïe, sur les extérieurs. Oui, justement, il a bien vu là-bas pour le cadrage débordement de Charlie Walker sur son vis-à-vis. Ah, c'est Rémi Thalès qui a pris un cadrage débordement d'école. Il avait les deux talons plantés dans le sol, Rémi Thalès. Et il y avait encore la solution d'Hooper sur l'extérieur. Et c'est marqué par l'Harlequins. Démonstration, un contre un, regardez, pif paf. Waouh. À ce niveau-là, là, c'est pas possible hein, de prendre des cadrages débordement comme ça. Il faut lui couper l'extérieur. Quel gaz.